Si la maison Pierre-Mée est ici à la Mamounia, c'est aussi et beaucoup grâce à l'amitié que nous avons avec M. Jochem, le directeur général de l'hôtel. Et c'est comment ce projet est né comme ça, tout doucement. Il a commencé à m'en parler en me disant « ça serait bien qu'on ouvre une boutique à la Mamounia ». Et puis, de fil en aiguille, on est arrivé à établir une collaboration dont je suis extrêmement fier et je le remercierai jamais assez pour la confiance qu'il nous accorde. Depuis que je vis au Maroc, je découvre les produits du Maroc, je découvre les produits, principalement les produits agricoles du Maroc, la culture marocaine aussi, mais les produits agricoles du Maroc. Et effectivement, il y a de plus en plus de produits. Par exemple, il y a quelques temps, j'ai rencontré un agriculteur ou quelqu'un qui a une plantation d'agrumes du côté de Fès et qui est à mesure de nous procurer des agrumes bio exceptionnels, autant au niveau de la qualité que des variétés. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a un projet de verger et de jardin de la Mamounia pour créer des légumes pour approvisionner l'hôtel. Ça, c'est des choses qui, moi, m'inspirent. Et puis, il y a, par exemple, j'ai en tête de continuer à travailler des gâteaux d'inspiration marocaine, comme je l'ai fait pour la corne de gazelle. Je me suis pas mal intéressé à un gâteau qui s'appelle la Mencha, et qui est probablement le prochain gâteau que je vais essayer de réinterpréter pour le proposer ici à la Mamounia.